sur rctuto.fr. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage colis de chez notre partenaire Banggood. Donc on reçoit aujourd'hui de quoi construire un drone en 3 pouces, un petit drone 135 mm. Donc on a tout ce qu'il va falloir, à part la caméra, pour construire ce drone. Donc on reçoit ici des hélices 3 pouces de chez Dalprop, des boules nose avec le bout coupé. Voilà, ça vaut 1,30$ les deux paires, donc les 4 hélices. On reçoit ici un petit récepteur, un tout petit récepteur, je ne sais pas si vous voyez. Un petit récepteur pour FlySky FSI6. C'est le récepteur FSRX2A, ça coûte 8$. Il y a 10 voix en IBUS et 8 voix en PPM. On reçoit ici le frame, le cadre du drone, on va l'ouvrir ensemble. Donc on reçoit ici notre petit drone, c'est un Alpha SQX 135, c'est un drone de 135 mm, voilà, qui fonctionne en 2 ou 3 pouces. Les moteurs vont de 1100 quelque chose à 1400 quelque chose. Ici, nous, on a choisi des 3500 kV, 1407, voilà, donc il y a des moteurs en sens horaire et des moteurs en sens anti-horaire. Ce sont des petits drones, des petits moteurs, pardon, Racer Star. Ce sont les mêmes moteurs qu'on utilise sur le F450, le drone 450. Voilà, donc ce sont des vraiment mini moteurs. Voilà, donc ils fonctionnent en 2 ou 3S. Les BR1407, ça vaut 29$ les 4. Donc au total, le drone nous revient à peu près à 90$ sans la caméra. 80-90$ sans la caméra. Voilà. On reçoit ici la carte de vol, c'est une Mamba F405 qui fonctionne sous Betaflight. Mon pote Laurent l'a acheté aussi. L'avantage sur cette carte, c'est tout ce qui est livré avec. Alors, vous voyez, vous avez la carte avec les ESC. Donc les ESC sont des 20 ampères 4 en 1 qui fonctionnent en D-Shot 600. Voilà, tout est déjà assemblé. Bon, ça fait assez haut, donc il y a possibilité de diminuer les entretoises. Soit vous en achetez, soit vous en les imprimez en 3D, mais il y a possibilité de diminuer la hauteur ici. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez quelques goodies. Vous avez les câbles, vous avez un transistor, vous avez la prise XT30, et vous avez ici l'information avec toutes les connectiques, à quoi ça correspond. Et vous avez ici un truc qui est bien sympathique. Avec toute l'électronique et qu'est-ce qui va où. Voilà, donc le câblage, les LED, le récepteur, le VTX pour la vidéo, la caméra et le buzzer. Voilà. Donc ça me fait penser qu'il va me manquer un buzzer. Donc tout ceci, ça va nous permettre d'assembler un petit drone en 135 mm pour voler un peu en salle et un peu en extérieur. Voilà, donc ça va être la découverte du drone racer pour moi, en sachant que moi je pilotais un drone RTF MJX, le petit Bug 6. Donc on va assembler ça rapidement, on vous fera une petite vidéo du vol, comme d'habitude, une petite vidéo du vol. Je vais pas faire la vidéo de la programmation du drone, parce que je risque de pas y arriver tout seul, ça risque de prendre plusieurs soirées. Donc je vous montrerai la vidéo du drone en vol, on essaiera de faire ça assez rapidement. Donc, tous les liens seront dans la description de la vidéo et dans l'article sur notre site internet. Merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.